Bah dis donc, mais j'étais en train de regarder les compteurs, hein, forcément. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cet enregistrement de cette accrotidienne en replay. Et aujourd'hui on a de la chance, ça fonctionne. Alors je vous rappelle, mardi et jeudi, on est en live ouvert à tout le monde. Et le lundi, le mercredi et le vendredi, lorsque j'enregistre cette émission, je la mets en local, mais je l'envoie sur Tipeee. Ça veut dire tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee peuvent accéder à cet enregistrement en live. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Vous êtes 4 personnes en ligne, dont une personne qui devrait être au travail à cette heure-là, mais qui a réussi à gruger un petit peu. Et ça fait plutôt plaisir. Eh ben bonjour à tous, je suis GLG, votre dealer d'accro. On est le 9 novembre 2018 et on se donne rendez-vous comme toujours pour 20-30 minutes de plaisir, de news high-tech, de choses et quoi d'autre. Et alors pour vous, toi qui es en train de regarder ça maintenant le soir à 15h de ta France, eh ben on est en replay. Et pour ceux qui ont Tipeee, eh ben on est en live et il est 10h30 du matin. Parce que l'heure c'est en fonction comme ça m'arrange. Là aujourd'hui comme ce soir on voudrait sortir, je fais l'enregistrement maintenant et patin. Et coup fin. Bon, allez, on attaque un peu par les news. Et vous allez voir, il y a du croustillant. Alors, si on met là. Alors, pour la blague, Tipeee, en fait, il faisait une offre. Tous les dons qui étaient faits pendant la première heure via Tipeee étaient doublés. Pendant la première heure. À savoir qu'hier, ça n'a pas marché, donc on a cramé une heure. Aujourd'hui, il reste 10 minutes et on est en train de roder le machin. Donc, ça ne marchera pas. Eh ben, écoute, merci Alex de tester le dossier. Voilà. Merci pour le tips qui vient de tomber de 2 euros. Donc, là, merci Alex. La preuve que ça fonctionne, ça fait plutôt plaisir. Bon. Donc, du coup, on parle un peu de ça. On parle... Alors, nos tipeurs du jour. Alors, notre tipeur du jour, c'est Seb P. Alors, si t'as l'impression que ça ressemble un petit peu à Sébastien P ou Seb P, c'est le même, hein, je crois. Il nous fait un compte tous les jours. C'est très, très rigolo. On remercie également tous nos utipeurs. Alors, on approche quand même, j'ai fait une petite news ce matin, on approche quand même le cap fatidique, astronomique et incroyable des 87 euros, je vous rappelle. Si vous voulez soutenir la quotidienne, que ça vous plaît, par exemple, vous pouvez me payer un café sur Tipeee et vous aurez accès aux enregistrements en live, mais que les autres ne voient pas parce que c'est un enregistrement en local, mais ça envoie sur Tipeee, c'est plutôt bien fait. Maintenant que ça fonctionne, c'est plutôt bien fait. Hier, ça marchait pas, c'était de la merde, mais aujourd'hui, aujourd'hui ça fonctionne, c'est plutôt bien fait. 87,75€, ça veut dire que la moyenne commence à augmenter tout doucement sur les 30 derniers jours. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et ça fait vachement plaisir. Voilà. De quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, de la news croustillante qui était plutôt pas mal. En fait, le Honor 8X Max et le Honor 8X Beyond sont disponibles en Thaïlande depuis apparemment un petit moment parce que j'ai vu une news comme quoi ils étaient disponibles en Indonésie. Donc je me suis dit, bon, on va regarder, si c'est disponible en Indonésie, ça va être forcément disponible en Thaïlande. Et oui, on a bien le premier, donc tu vois bien ici, je sais pas si tu vois mon mulot en même temps. On voit bien le Beyond Limit ici, 4Go de RAM, 64Go de ROM, qui fait 8000 bahts. 8000 bahts, ça fait 200 euros, hein, pour vous donner un brut tout point. Le 8X normal, 7122, et le 8X Max, alors attends, c'est le 8X Max ici qui fait 10000. 10 400, ça fait 250 euros, plus 12,50€, 265 euros, voilà. Donc les Honor 8X sont disponibles en Thaïlande. En viendra la question du replay, bah, ceux qui êtes en live, vous pourrez participer, bien évidemment, je suis là pour vous lire. Alors d'ailleurs, bonjour à Jean-Marie, qui est là, bonjour à Berber, pas de son sur le générique. Ah peut-être, oui, mais c'est vrai que c'est en local le générique, donc il se peut qu'il n'y ait pas de son. Bonjour à Alex et bonsoir à Berber, j'ai fait une petite commande t-shirt. On a vu passer les t-shirts partiront demain normalement. Hein. On a imprimé les commandes aujourd'hui, comme il y en a eu pas mal, avec deux t-shirts achetés et un troisième offert, tout partira du coup demain. Voilà, on est en train de grouper les commandes, on envoie tout d'un coup. Donc, on pourra en venir à mes Honor 8X, 8X Max et 8X Beyond. Voilà. Donc, ils sont disponibles en Thaïlande. Donc, en vient l'idée, est-ce que ça vous dirait que j'en teste un? Si oui, lequel? Bien évidemment. Donc, si vous voulez que j'en teste un, vous mettez en commentaire. Ah, celui-là. Alors, bleu ou bleu, hein, ou noir. Bon, on s'en fout de la couleur. Mais bon, lequel que vous aimeriez que je teste, éventuellement. Donc, du coup, je l'achèterais avec mes deniers, bien évidemment. Et ce smartphone serait, pourrait, futilité, habilité, camoulox, pourrait éventuellement vous le faire gagner si ça vous intéresse. On ferait une petite tombola,
une petite tombola, machin, avec des tickets à 2€. Voilà, merci Alex. On ferait une petite tombola avec des tickets à 2€, machin, par PayPal, par Tipeee. On pourrait faire un live Tipeee, tu vois, comme ça, où on ouvre à tout le monde et tout le monde peut faire des dons. Ah, c'est DHL qui me livre. Ça, bah, tu vois, c'est mon Humidigi A3. Donc, il faut qu'elle paye, hein. Alors, attends. Il va falloir qu'elle donne de l'argent. Hein, parce que là, l'argent, il m'a aligné même 1600 et des spoons. Donc, ce qu'on va faire, parce que là, je suis en enregistrement local, je vais faire une petite pause. Voilà. Alors, bougez pas. Je fais une petite pause en enregistrement local. Boum! Allez, reprendre l'enregistrement local, c'est bien. Bon, bah, comme tu l'as compris, le transporteur est passé. J'ai reçu le Humidigi A3. Voilà. Qui était bloqué en douane. En tout cas, ils m'ont pris que 1000 bahts. Ça fait 25€ qu'il faut que j'envoie à Humidigi. Et elle va me rembourser parce que c'est la vie, hein. Téléphone, il vaut 70, tu dois payer 25€ de taxes et tout, voilà. Donc, revenons-en à nos éléphants. Oui, on est en Thaïlande, les moutons, ici, c'est moins la mode. Donc, dites-moi celui que vous voudriez que j'achète, que je teste, et éventuellement, si vous voulez que je fasse une tombe. Alors, gratuit, c'est pas la peine, parce que je suis obligé de l'acheter avec mon argent, enfin, une partie du vôtre, et surtout le mien, attendant. Lequel vous voulez que j'achète? Les chachettes. Et du coup, après, on ferait une tombola, un pourrait le gagner. Et oui, mais les expéditions. Oui, parce qu'il y a ma mère qui est là, et ma mère repart le 30 novembre. Donc, elle pourrait repartir avec le 30 novembre, et vous l'expédiez depuis la France. C'est pas mal. Et je crois qu'il y a Fabien Dessin qui est là aussi, qui repart bientôt. Donc, il pourrait éventuellement le ramener aussi, quoi. Et j'ai rencontré un membre, là, avant-hier, qu'on s'est retrouvé sur le forum de XADV. Pareil, et il est là. Donc, si je lui demande, pareil, on pourrait avoir des mules. on pourrait trouver des mules. Bon, voilà. Donc, dites-moi lequel. Et du coup, on le commandera. Et du coup, on vous le fera gagner, bien évidemment, après. Je vais pas garder tous les téléphones. Ensuite, on parlera de la news, le AGM A9. Alors, on vous en parlait il y a 3 jours. La news est en train de tomber. Mais oui, parce qu'en fait, le X3 n'est pas prêt de chez AGM. Donc, ils ont prévu de nous envoyer le A9. Ils m'avaient envoyé un beau petit fichier. Est-ce que je vais arriver à le mettre là? Pas ça du tout. C'était pas ça du tout. A9, hein, fais voir. Là, tac. Non. Hein. Là, voilà. Ils m'ont envoyé un espèce de fichier. Ah ouais, mais il est minable, le fichier. Donc bon, laisse tomber. Donc il m'a envoyé un fichier, le A9, voilà, il le reprend. On l'aura, bien évidemment, parce qu'ils m'ont demandé si je pouvais. Ils m'ont demandé, est-ce qu'on pourrait avoir une review, est-ce qu'on pourrait vous l'envoyer? Donc du coup, on a dit oui. Donc on devrait le recevoir bientôt, là. Comme la lampe torche LED, machin, que je dois écraser avec la voiture, j'ai reçu le tracking, je devrais la recevoir demain. Donc il y aura un review la semaine prochaine sur GLG Review, bien évidemment. Donc AGM A9, il a l'air pas trop mal en fait, hein, tu vois. Snapdragon 450, bon, c'est pas fou, mais les IP68 avec machin militaire, 3 à 4Go de RAM, 3264. Il devrait pas être excessivement cher, hein. T'imagines, je reçois les news par email, je regarde quand même les news sur les sites des autres. C'est mec, on a rien à branler. J'ai même pas ouvert le truc, tu sais, bon, on voit une espèce de fichier en timbre poste, tout sur longueur et tout. J'ai même pas ouvert. Bon, bah voilà. Donc le AGM A9 devrait arriver prochainement. On sera certainement dans les premiers à l'avoir, puisque le mec veut nous en envoyer. Le A3, vu qu'il est pas prêt et qu'on en a un, il va nous en envoyer un expressément sous peu. Voilà. Allez, on continue dans les processeurs. On n'a pas du tout. Huawei va sortir son nouveau Kirin 990 à 7 nanomètres. Alors, la différence par exemple, du 980, c'est que lui aura en plus un modem 5G dedans. Voilà, on commence un petit peu à teaser sur la 5G et tout. Ça va être un petit peu le leitmotiv des nouveaux fabricants. Il n'y aura pas d'antenne, pas de forfait, mais vous aurez au moins un téléphone en, en 5G, ce qui est, à mon avis, le plus important. Voilà. On continue dans la news. Allez, Elephone. Alors, Elephone, on n'a pas vu le A4, mais on peut déjà commencer à teaser sur le A5. Elephone, c'est vrai qu'au niveau marketing, ils sont d'enfer, Elephone. Ils teasent comme des porcs sur les téléphones qu'on voit jamais. Mais c'est pas grave. Alors, après, il y en a peut-être qui ont déjà eu le A4 parce qu'ils l'ont commandé X ou Y, mais nous, on n'arrivera pas à en avoir. Donc, le nouveau A5 qui va être une jolie merde. En fait, genre, je m'exprime. Je vais pas dire que c'est une merde. C'est une jolie merde. C'est-à-dire qu'il aura de jolies couleurs, mais que ça risque d'être un petit peu une merde quand même. Bon. MT6763. Ouh, voilà, bon, après, voilà, un P23, quoi. 4Go de RAM, 64Go de ROM, un écran 5,85 pouces en 1512x720. Donc, ça sent un peu la HD. 18/9, caméra 16 à l'arrière et 8 mégas à l'avant. Micro USB. Voilà, GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Voilà, bon, bah, je veux dire, avec moi, ça me suffit, quoi. Je veux dire, bon, bah, ouais, bah, non. Non, merci, quoi. Après, bon, voilà, s'ils veulent me l'envoyer, je le prendrai, mais bon, là, tu gagnes rien, quoi. Tu sais, je veux dire, le téléphone, il est d'une banalité, mais. Voilà. Par exemple, vraiment, nul.
Nul, recalé. Bon, voilà, donc voilà un petit peu pour les news de la journée, de ce que j'ai trouvé un petit peu intéressant. Alors c'est vrai que du coup il est déjà 43 parce que j'ai arrêté pendant 10 minutes. Mais ça tu le sais pas, toi qui es en train de regarder le replay. Mais toi qui étais là, qui est sur Tipeee par exemple, qui m'a payé un café sur Tipeee, t'étais là pendant le live et tu sais tout ce qui s'est passé. C'est vrai que c'était assez étonnant cette histoire de... Ah, René HL, il manque des sous. I think Miss Money. Non, bah peut-être qu'il y a un autre colis alors, tu vois. 969. Je crois qu'elle n'a pas, il a pas donné la bonne facture, je suis sûr. Tu vois. Le revoilà. Bon, bah ce que fait, on remet pause. Rider Pattaya. Oui, c'est ça, c'est pas la bonne facture. On se retrouve tout à l'heure, je refais une petite pause. Tchou, le revoilà. Bah dis donc. Alors bon, toi tu le vois pas parce que bon, t'es en replay. On coupe toutes les blancs de suspense. Ceux que les tipeurs qui étaient là en live s'en rendent bien compte que c'est bien la merde. Bon, on a reçu de compte fait, c'était pas la bonne taxe. C'était pas 1000 bahts, c'était 2200 bahts parce qu'on s'est tapé 1500 bahts de pénalité pour fausse déclaration. Pour donner une idée, 1000 bahts ça fait 25 euros. On s'est tapé 30 euros, 35 euros de pénalité parce que les Chinois ont pas déclaré le bon montant. Enfin bon. Ils ont déclaré 30, il vaut 70, enfin, c'était pas la fin du monde. Bon, donc du coup, je sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave. L'important, c'est la rose, l'important. Bon, donc du coup, le téléphone, machin, ça c'est bien. Les tipeurs sont là, tout va bien. Les Geeks Plus, sont-ils nombreux aussi à être là? Vous voyez, bah, c'est un peu ça. On parlait parce que demain, il y a un live spécialement pour les tipeurs et les Geeks Plus, et on le ferait bien par ces leviers de Tipeee, parce que c'était quand même plutôt pas mal. Voilà, bon allez, je reviens au fil du chat. Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Alors du coup, on a reçu bien le Humidigi A3. J'ai également reçu les Calpiers. Alors, il est où? Alors, elle est où la photo? Elle est où la photo? Elle est où? Voilà. J'ai reçu les Calpiers pour le XADV. Je rappelle, le XADV, en fait, tu mets tes pieds comme un scooter, mais en option... En option, sur le côté, tu peux mettre des Calpiers pilotes où tu montes dessus pour faire un peu du trail. Bon. C'était pas mal, mais dès le début, comme c'était de l'aluminium, c'était 400 euros sur les premiers sites internet. Bon, mon pote, meilleur ami Musashi, lui, c'est quand même 200 euros. Voilà. Et quand moi j'en ai trouvé sur eBay, sur AliExpress à 60 euros, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose, tu vois. Il y avait peut-être un truc bien à voir. Donc je les ai commandés pour voir un peu la qualité. Donc je les ai installés aujourd'hui. Je vais aller rouler certainement demain, monter dessus, faire un peu le lapin sur mes Calpiers pour voir s'ils sont solides. Et donc du coup, je vous ferai une vidéo et un bilan de ces Calpiers à 60 euros lundi ou mardi. Voilà. On mettra sur GLG vidéo certainement. Je ferai un article sur lesmagouilles.com s'il y en a qui suivent mon blog moto. Et comme ça, je vous dirai un petit peu la qualité de ce produit-là, mon ressenti, est-ce que c'est une bonne affaire, est-ce que c'est une mauvaise affaire, est-ce que ça s'est cassé, est-ce que ça fonctionne toujours. Mais là, j'ai fait que l'installation aujourd'hui parce qu'il pleuvait un petit peu aujourd'hui et donc du coup, c'était pas possible. Voilà. Donc, on a déjà fait l'installation. Il y a trois vis, ça va. Trois vis avec une clé Allen, même s'il y en a une qui était bien serrée, c'était bien dans mes cordes. Voilà. Si on doit parler films et séries télé, j'ai pas regardé grand-chose d'incroyable, si ce n'est hier soir, on a commencé à regarder. Mission Impossible. Fallout. Bon, après 2h30, donc on a arrêté la moitié hier, on a arrêté l'autre moitié tout à l'heure là. Donc du coup, je suis capable de vous parler du film en entier. 2h30 le film. Bon, je peux pas vous dire que c'est bien, mais ça va, tu t'ennuies pas. Genre 2h30, c'est plein d'action, les paysages sont incroyables. En plus, il est disponible en IMAX sur vos plateformes de téléchargement légal en torrent. Voilà, en version originale sous-titrée français, c'est très bien. Comme ça, on a les vraies voix, les vrais sons, même si les sons sont quand même bien à chier. Hein. Je veux dire, il y a une course-poursuite en moto, le mec, il a une Triumph, une BMW, et machin, tu vois le son de pétrolette que ça fait. C'est comme Fast and Furious, c'est... C'est voilà, c'était vraiment, le son était vraiment bidon. Enfin bon, après, on a visité tout Paris en 30 secondes, l'Angleterre, machin, on est reparti à Cachemire, là-bas. Au niveau des paysages, c'est pas mal, les scènes d'action sont incroyables, il n'y a pas à chier, je veux dire, attends, les combats dans les toilettes, machin, le truc en saut, en parachute et tout, c'est vraiment, vraiment bien fait, il y a vraiment du budget, et c'est là où tu prends du plaisir, même si, bon, le film, il n'est pas incroyable, on est d'accord, l'histoire, voilà, ça reste dans la continuité, mais c'est vraiment un très bon film d'action, ça bouge bien, des bons combats, ça va vite, machin, bon, les gadgets, voilà, quoi, ils ont des caméras IP à 30 euros comme moi, à part que lui, il voit... super bien, super loin, moi j'ai testé une, j'ai pas eu le même produit, hein. Mais voilà,
C'était un film que je vous conseille, surtout en IMAX, parce que la qualité, il fait 4 ou 6 gigas, hein, donc même sur une télé Full HD, ça passe vraiment bien, il y a une bonne qualité, il y a vraiment des paysages qui sont magnifiques et tout, et pour ça, je pense que ça vaut le décor, au moins pour faire kiffer ta télé, par exemple, voilà. C'était tout un peu ce que j'avais pour ce vendredi. Donc du coup, alors, aujourd'hui, sur GLG Vidéo, vous avez eu la review du Doogie S80 avec sa grosse batterie, machin, renfort, tout bien, track. Demain, on parle des protections moto silicone niveau 1. Oui, parce qu'il y a des niveaux de protection. Il y a 1, 2. Alors, le vendeur, je lui ai écrit parce que 1, on avait réussi à gratter un petit peu. Je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien tester niveau 2. Il me dit, bon, on attend de voir la vidéo et après, on peut vous envoyer les mêmes en protection niveau 2. On parlera de tout ça dans la review demain. J'ai trouvé un site qui vous explique c'est quoi la protection 1, le nombre de joules et de kilopascal, machin. Enfin, voilà, on parlera de tout ça demain, de ces protections. Vous me verrez avec la veste de moto, voir un peu le rendu qui est. Après demain, donc du coup dimanche, la review du Poptel P10 qui est dans la boîte aussi, elle est faite, emballée, machin, uploadée, donc du coup elle sera bien pour dimanche, surtout pour le 11-11 parce que le téléphone est quand même un peu trop cher, mais le 11-11 il y aura une promo, ça risque de mieux passer parce que quand même le téléphone vous allez bien vous marrer, hein, parce qu'il y a quand même des trucs, c'est un peu dégueulasse quand même, hein, malgré tout, monsieur Poptel, fait pas sérieux cette histoire. Bon, comme ça, on parlera de ça, lundi, je ne sais pas, peut-être les calepiers de moto ou pas, j'ai un milliard de trucs, après du coup, la semaine prochaine, GLG Review sera réaccessible, donc je vais pouvoir placer les reviews sponsorisées. Alors, la lampe torche, je crois que c'est pour le 20, donc j'ai quand même un petit peu de temps, on est juste le 7, 8, 9, 10, ça fera 17, ouais, ça va, j'ai le temps. J'ai l'enceinte là, machin, dot, truc, ils ont payé en plus. Ils veulent, elle est pas mal en plus, hein, elle est stylée, hein, tu vois. Donc j'ai ça à faire. Donc là, par contre, ils ont payé aussi. Donc je ferai certainement cette review là. Le Doogie S70 qui est là avec sa télécommande. Donc du coup, bah, sur GLG Review, même c'est un truc qui est pas cher. Le but c'est vraiment de faire tous les trucs où je me fais chier à faire des plans, machin, les reviews là-bas. Le Lenovo K5 aussi. Et du coup, le Humidigi A3. Putain, la vache. C'est bon, hein, laissez-moi tranquille. Heureusement, le A3, il est trop à la bourre. Et si on reçoit le A9, bah, va falloir le faire, je sais pas quelle date. Mais enfin bon, là est le plus important. Je vous remercie tous d'être passés. Oh, merci à Berber pour son petit don de 1€, j'ai failli pas le voir. Merci mon pote. T'as, c'est bien, c'est sympa de voir les dons comme ça qui s'affichent sur l'écran. Alors, j'espère vraiment qu'il va y avoir un replay pour les autres qui n'ont pas pu être là, sur Tipeee. Et puis après, bah là, parce que vous qui voyez ça comme ça dans le chemin local, vous ne voyez pas la même chose que les tipeurs ont vu en même temps. Bon, après, c'est un peu compliqué, mais en même temps, c'est simple. Et ça vous donnera peut-être l'envie d'être Tipeee, d'être tipeur. Bah, tipeur, je rappelle, c'est 1€ par mois. Un café, 1€ par mois, pour avoir l'avantage d'être tipeur, recevoir des mails d'amour et de participer à ces enregistrements-là qui sont, pour ceux qui auront été là, vous le diront certainement dans le commentaire de ce soir, c'est rocambolesque. Voilà. Allez, je vous remercie tous d'être passés. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bien évidemment, un bon week-end. On se donne rendez-vous samedi pour tous ceux qui sont Tipeee et Geek+. Je vais regarder un petit peu comment on va gérer un petit peu le dossier. J'attends absolument vos commentaires pour savoir qu'est-ce que je dois acheter, le 8X, le 8X Max ou le 8X Beyond. Et éventuellement, est-ce qu'après vous voudriez le gagner dans une petite tombola sympathique. Voilà. Donc c'est tout, ça c'est fait. N'oubliez pas d'aller sur Utip pour soutenir un petit peu l'aventure. C'est aussi un peu grâce au sous de Tipeee, de Utip, qu'on peut dire bon, allez, le Honor 8X, on l'achète. Vas-y, 200€, on l'achète. C'est un peu grâce à ça aussi, voilà. Donc ça permet d'aller. Je remercie tous ceux qui vont à fond regarder des vidéos, tous ceux qui vont nous aider à passer cette barre symbolique des 100€ par mois. C'est pas mal. Oh, on est à déjà 87,85€. Voilà. Donc ça fait plutôt plaisir d'être soutenu comme ça par nombreux d'entre vous qui adorent cette émission et qui la kiffent. Et donc du coup, quand tu likes la quotidienne, tu peux lâcher un petit like et tu peux regarder un petit uTip. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, bon week-end. À demain pour les tipeurs. Sinon, bah, à demain sur GLG Vidéo, à dimanche sur GLG Vidéo, à lundi sur GLG Vidéo. GLG Vidéo. J'ai dit jeux vidéo ? C'est pas moi. Paix et prospérité. Bon week-end. Bye bye.